Bonjour à tous, on est parti pour cette édition de We Love SEO Virtual Summit. Je suis Alexandre Siguen, donc je serai modérateur de cette table ronde qui aujourd'hui va parler des défis du SEO dans l'e-commerce. Donc n'hésitez pas à tweeter avec le hashtag WLSVS. N'hésitez pas à pinguer aussi les intervenants que vous allez voir dans cette présentation. Vous avez un chat pour discuter pendant qu'on va faire cette présentation. Et n'hésitez pas aussi à nous poser vos questions. On aura une session de questions-réponses à la fin en fonction du timing, mais on va essayer d'aller très vite avec nos intervenants. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir trois et non pas quatre, malheureusement, intervenants. Audrey n'a pas pu nous joindre, mais on va avoir la chance de discuter avec des intervenants de haut vol, hein, c'est le cas de le dire. Alors, on a l'habitude, moi j'ai l'habitude de les côtoyer, plus ou moins. On a Julien, donc, qui est aujourd'hui technical SEO consultant chez Databull, au passage qui était aussi Young Search Personality Award au SMX en 2018. Donc, rien que ça, voilà, on a des gens qui sont reconnus par la communauté SEO. On a Naguib, qui lui aussi était personnalité search de l'année 2017 au MENA Search Awards, qui est aujourd'hui Global SEO Lead chez Artefact. Bonjour Naguib, merci d'être avec nous. Et puis on a Herley, soon to be personnalité SEO la plus cash, peut-être, et qui est donc Digital Performance Manager chez Réseaucar. Et anciennement travaillait chez OnCrawl comme Customer Success. Voilà, je pense qu'on a un beau tableau aujourd'hui pour discuter SEO et e-commerce. On va rentrer très vite dans le vif du sujet parce que moi, j'aimerais bien avoir vos avis, j'aimerais bien avoir vos avis d'experts, j'aimerais bien avoir votre façon de gérer différents sujets. Et on va embrayer sur un premier sujet qui est le SEO technique dans le cadre d'un site e-commerce. Alors moi, je me pose plein de questions. En bon noob que je suis, j'aimerais avoir vos avis éclairés sur plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est comment vous traitez ou gérez les aspects techniques d'un site e-commerce par rapport à un autre site, type site vitrine, site de vente de services, blog, etc. Est-ce qu'il y a des aspects techniques très précis que vous allez chercher? J'aimerais que vous me fassiez un petit focus sur principalement les CMS potentiellement, les CMS que vous préférez ou les recommandations que vous pouvez avoir sur les solutions techniques et aussi comment vous faites pour le choisir. Et il y a un petit sujet que j'aimerais qu'on traite aussi, c'est comment on gère des volumes de pages suffisamment importants en termes de maillage, en termes d'indexation sur les sujets e-commerce. Donc, je vais donner peut-être la parole à Herley pour embrayer. Et puis ensuite, Julien et Naguib, si vous voulez me donner un avis, n'hésitez pas, on est parti. Ouais, merci, merci beaucoup, merci pour l'invitation et bonjour à tous. E-commerce, etc. Bon, aujourd'hui, moi je me retrouve dans une position où je suis un site e-commerce, mais je vends des voitures, donc du coup, on n'achète pas des voitures comme on achète des paires de chaussures ou d'autres objets. Donc, il y a une partie de l'acquisition qui se fait, enfin, de la rétention et du retour des utilisateurs qui est un peu différente. D'un point de vue purement technique, c'est toujours un peu la même chose, c'est qu'on imagine toujours des gabarits de page, et quand on fait une expression de besoin, on voit 1, 2, 3, 4, 5 gabarits de page, des searches, des pages d'annonces et des pages d'accueil et des landings. Et en fait, on ne se rend pas forcément compte qu'on est en train de manipuler potentiellement des millions de pages. Le SEO technique, il faut surtout qu'il soit collé à la réalité de ce que le site va être ensuite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un petit lien ou un bloc de liens juste comme ça en se disant, allez, si je mets un lien là, ça fonctionnera. En gros, vous allez mettre 1 million de liens vers 1, 2, 10 pages différentes. Donc, le SEO technique sur des sites e-commerce à gros volume, c'est un peu particulier. Moi, ce que je fais, en l'occurrence, la chose que je fais tous les matins, en gros, et ça va étonner personne, c'est que je regarde un peu s'il n'y a pas eu des couacs au niveau des logs. Je regarde un peu s'il n'y a pas des tunnels qui cassent, s'il n'y a pas des utilisateurs qui explosent parce qu'ils n'arrivent pas à passer d'une page à l'autre et n'arrivent pas à faire leur recherche.
C'est très particulier de regarder comme ça, mais c'est d'abord vraiment ce qui se passe sur le serveur, et puis en plus, après, on va vers ce qui se passe côté utilisateur. Le SEO technique, pour moi, c'est aussi ce qui se passe côté utilisateur, parce que c'est la façade qu'on ne voit pas forcément. Mais c'est une petite introduction, et je laisse mes comparses en parler aussi. Julien, ou Dagui, vous pouvez. Ouais, je veux bien ce qu'Arlé disait, mais Julien, je t'en prie, si tu veux y aller. Ok. Bonjour du coup à tout le monde. Effectivement, je pense qu'on peut tous être déjà d'accord avec Arlé. Pour compléter un petit peu, effectivement, je pense que ça dépend beaucoup déjà des types de e-commerçants avec lesquels on va travailler. Et c'est certain, comme il l'a encore une fois très bien dit, que lorsqu'on manipule des volumes très importants de produits et donc de pages, la stratégie qu'on va devoir déployer, elle n'est pas forcément la même que lorsqu'on est sur des volumes un peu plus restreints. Maintenant, pour moi, le vrai point, c'est que, même si on en reparlera un petit peu après, sur des très gros sites comme ça, on va peut-être un peu moins s'intéresser à des aspects type linking externe ou même éventuellement du contenu. Et on va beaucoup plus se focaliser sur des aspects techniques, justement. Même si c'est valable pour plein d'autres types de sites que sur du e-commerce, effectivement, la lutte contre les régressions, c'est vraiment un sujet très, très, très important. Et je pense qu'on a malheureusement beaucoup de confrères qui oublient ça un petit peu. Vous pouvez voir les vélos derrière moi. C'est pas parce qu'on sait tous faire du vélo ou pas d'ailleurs que il faut oublier de vérifier que les pneus sont gonflés ou les freins sont bien serrés, etc. Parce que sinon on va vers la catastrophe. Donc même les basiques, mine de rien, sont toujours valables. Et il faut s'assurer dans le temps que tout ce qu'on a fait par le passé se maintient, qu'on n'a pas, par exemple, un développeur qui a surchargé une optimisation qu'on a fait il y a quelques temps et cassé des choses qu'on avait essayé d'améliorer. Donc ça, c'est un premier point qui, pour moi, est très, très important. Oui. Quels outils tu utilises, toi, Julien, pour les aspects techniques? Régulièrement, Erlé a parlé des logs. Est-ce que toi, tu as des outils privilégiés ou à recommander? Alors, les logs, effectivement, c'est un indispensable sur la plupart des sites sur lesquels je bosse, en tout cas. On peut trouver également énormément de choses avec un bon crawler, typiquement avec OnCrawl, je crois que c'est marqué là. Voilà. En fait, en paramétrant bien son crawler, en ayant les bons extracteurs de données, on va dire, et ce genre de choses-là, déjà, on voit beaucoup de choses. Par contre, il faut penser à programmer des crawls récurrents et à faire en sorte que lorsqu'il se passe quelque chose, on soit capable très très vite de détecter ça. Et puis après, il y a en fait plein d'autres outils qu'on utilise souvent de manière assez naturelle et auxquels on ne pense pas toujours. Les dates sont un peu anachroniques par rapport à la diffusion de cette conf, mais je donnais hier une formation sur un sujet qui avait rien à voir avec Analytics, mais je donne souvent ce tips de l'utilisation des alertes Google Analytics, qui est une fonctionnalité gratuite et totalement intégrée à Analytics et que très peu de gens finalement utilisent. Donc pensez par exemple à aller vérifier que votre page 404, par exemple, est bien traqué sur Analytics et que vous pouvez déclencher une alerte quand il y a un trop gros trafic sur ce genre de page-là, par exemple. Ça, c'est un des exemples d'outils comme ça auxquels on ne pense pas forcément, mais qui peuvent vraiment servir à faire du monitoring. Bon tips. Oui. Très bon tips. Merci. Et puis, le dernier petit point que je voulais aborder également, c'est le fait de faire attention aux typologies de produits qu'on peut avoir dans notre catalogue. Je parle là d'expérience. Quand on travaille sur des très gros sites e-commerce, on va souvent avoir des types de produits qui vont être très différents les uns des autres. Par exemple, si on vend d'un côté des livres et de l'autre des consoles de jeux ou des télés, les critères de recherche pour les internautes vont pas être les mêmes. Les filtres qu'on va retrouver dans notre navigation à facettes vont pas être les mêmes également. On va avoir besoin de templates un petit peu adaptés, etc. Et tout ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention.
ça rajoute forcément de la complexité technique et de la complexité aussi d'un point de vue SEO. Mais lorsqu'on conçoit comme ça un cahier des charges pour un site e-commerce, c'est des choses qu'on peut vite oublier et qu'il faut penser à se rappeler. Merci Julien. Naguib, est-ce que tu veux... T'as des points à ajouter, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient cités, mais... Déjà, merci pour l'invitation à cet événement. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de conférence et de table ronde en français, donc ça fait plaisir d'échanger SEO en français. Et ravi d'avoir Julien et Herlé, que je connais depuis un petit moment, autour de cette table. Alors, moi, j'ai pas de background technique. Par contre, évidemment, c'est vrai que la technique, c'est les fondations du SEO. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment mettre la valeur... on va dire pécuniaire, c'est vraiment ce qui est intéressant dans l'e-commerce, c'est que on manipule évidemment des sites qui génèrent de l'argent et qui régénèrent du revenu. Et je me rappelle à l'époque, il y a des études qui montraient que le simple fait que on améliore la page, le load page d'Amazon d'une seule seconde, ça impacterait de 1,6 million de dollars d'une seule seconde. Donc c'est pour donner vraiment un aspect vraiment lié à la performance technique d'un site et à un impact direct avec le revenu. Et donc, évidemment, c'est pour mettre la technique au centre du SEO, et ce sont les fondations. Moi, ce que j'aime bien mettre en parallèle, c'est le SEO est censé refléter la réalité, tout simplement. Donc, quand on a le purchase funnel d'un point de vue marketing qui part de la discovery phase, donc quelqu'un qui découvre un produit jusqu'à la considération et à la conversion, c'est exactement le même schéma que les robots suivent d'un point de vue SEO. Donc, mettre en parallèle ce schéma traditionnel marketing qui est la discovery, consideration, conversion, la discovery d'un point de vue SEO, c'est la partie technique. Donc, c'est la première chose, c'est faire en sorte que le site soit crawlable, qu'il soit indexable et que les robots avec les log files puissent voir ce site. Donc, c'est vraiment les fondations d'un purchase funnel. Donc, elle commence à partir de là. Donc, c'est très important. Moi, ce que j'aime au-delà de ça, c'est vraiment... Et je pense qu'on en discutera au sein de la table ronde, c'est vraiment comment croiser les données. C'est vraiment l'impact business du SEO. Et je pense que c'est là où c'est intéressant, quand on peut monitorer vraiment l'impact d'une amélioration technique, l'impact que ça a sur le revenu. Donc, c'est des choses que je pense qu'on va en discuter un peu plus longuement, mais vraiment pour dire que la technique, c'est pas quelque chose qu'on doit mettre de côté. La première chose que je regarde, et toujours j'ai cet aspect marketing, c'est-à-dire que c'est toujours la loi de Pareto. Donc, sûrement, 20% des produits qu'on vend sur un site Internet génèrent 80% du revenu. Donc, on veut être sûr et certain que ces 20% de produits soient accessibles par Google, soient indexés. Si ce n'est pas le cas, on perd la grande majorité de notre revenu, tout simplement. Et en plus, tu as parlé de l'aspect économique au niveau serveur, mais il y a aussi un aspect économique, forcément, au niveau des achats. C'est-à-dire que quand il y a un déficit de chargement ou un problème technique ou n'importe quel sujet qui est vraiment technique, ce n'est pas lié au SEO, ça a une incidence effectivement sur le funnel d'achat et donc ça peut perdre de l'argent énormément. Tout à fait. Aujourd'hui, les pages de résultats sont les nouveaux linéaires. Aujourd'hui, les pages de résultats, c'est votre nouveau supermarché, tout simplement. Donc, quand vous aviez 10 rangées sur votre linéaire à Carrefour, aujourd'hui, vous avez 10 rankings. Et plus que jamais, c'est le cas avec la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Donc, c'est vraiment excitant de voir. Et aujourd'hui, on voit que le SEO redevient un petit peu à la mode. Il est loin d'être mort parce que du coup, les gens se rendent compte que c'est un levier qui a malheureusement été parfois un peu négligé et qu'il y a encore une marge de progression énorme pour des plus petits acteurs. Et je sais que c'est quelque chose qu'on va discuter. Mais voilà. J'ai une super question liée à ça. Comment vous faites, on parlait de la loi de Pareto, c'est très intéressant. Comment vous faites techniquement, c'est quoi vos techniques, et est-ce que vous en avez ou est-ce que vous conseillez de le faire pour, est-ce que vous mettez en avant par exemple certaines gammes de produits, notamment avec un maillage un petit peu plus fin, parce que vous savez que c'est des produits qui vont générer davantage de cash, ou est-ce que vous traitez tous les produits de la même façon, ou est-ce que ça fonctionne plutôt par catégorie de produits? Comment techniquement vous arrivez à des recommandations techniques qui sont liées en fait à des indicateurs business concrets de je vends tant, donc je dois mettre en avant tel ou tel produit grâce à mon maillage ou grâce à mes aspects techniques au-delà du load time. Allez, peut-être tu veux.
Ouais, moi j'ai cette vue-là parce que encore une fois, je vais parler de voiture parce que c'est le sujet qui m'intéresse en ce moment. On voit sur les marchés qu'il y a des voitures qui fonctionnent, des voitures qui fonctionnent pas. Il y a des modèles qui sont mieux vendus que d'autres. Il y a des top cars. Je donnerai l'exemple de l'Audi A3. C'est en gros quand on fait du SEO dans la voiture, on regarde souvent la Audi A3 parce que c'est un peu le reflet de ce que font tous les autres concurrents parce que c'est le petit pain chaud qui se vend extrêmement bien. Mais en fait, en gros, des versions, des modèles, des marques, des motorisations, des finitions, etc., il y en a une foultitude et du coup, tu ne peux pas traiter toutes tes pages de la même manière. En gros, je m'explique, de la même manière, on traite les méta de tous les modèles de la même façon parce qu'on connaît les mots-clés qui tapent. Qui fonctionne réellement l'occasion, c'est occasion, sur le leasing, c'est leasing et LOA. Et en gros, t'as pas besoin de beaucoup chercher comment écrire un title. Moi, dans mon cas, si je cherche un ensemble de voitures, c'est marque, modèle et occasion, virgule, prix, toutes les annonces, etc. Et puis, si je veux juste une marque un peu plus générique, on fait un title plus court, etc. Donc, ça, c'est là. T'as un traitement forcément, on va dire, générique. Pour l'ensemble, et puis tu as des traitements plus spécifiques. Et pour faire ces traitements plus spécifiques, moi pour le coup, maintenant j'utilise énormément les données qui sont retour de la base de données interne du CMS qu'on utilise qui me permettent de savoir quelles sont par période les voitures qui sont les mieux vendues. En l'occurrence, en début d'été, on vend des cabriolets et en fin d'année, on vend souvent des gros modèles, des grosses voitures pour partir en vacances, etc. Et en fait, en croisant plusieurs types de données, en allant chercher des données de conversion et de position, en essayant de rationaliser le fait que je fais une super conversion sur un modèle, mais c'est parce qu'il est première position ou deuxième position, j'essaye de couper et de rationaliser ça. Je prends le top 100 des voitures et je rationalise en fonction de leur position au cours du temps dans l'année. Et en fonction de ça, au fur et à mesure de l'année, on a une page d'accueil qui est forcément, on va dire, la page qui fait les shortcuts, les raccourcis les plus intéressants. Il y a la page d'accueil qui évolue, du coup, en fonction de cette saisonnalité. Mais comme le font d'autres sites, en fait, pas que des e-commerce, mais des sites médias qui veulent tabler sur l'actualité, ils vont mettre une remontée d'actualité en direct. Enfin, on connaît les histoires du coronavirus pour faire du trafic. En ce moment, tu fais des remontées en direct, etc. Donc, t'es forcément obligé d'aller voir un peu du côté de la conversion. Et je rejoins Naguib sur le sujet. Hein. C'est que t'es obligé d'aller voir ce que les gens veulent, ce que les gens achètent pour pouvoir te dire, OK, je vais manipuler mon site comme ça. Et un troisième petit point qui est presque un petit hack, très récemment, on a réfléchi à, c'est bien, on a nos données de conversion, mais on les manipule pas vraiment parce que ça dépend de quel ranking on a ou quel moment dans l'année on est. Si on allait chercher les données de suggestion, en tout cas, il y a beaucoup de principes beaucoup d'outils qui permettent d'aller chercher les suggestions. Et donc, pour chaque marque modèle, aujourd'hui, on fait des raccourcis dans les pages dédiées pour aller dire, OK, marque modèle plus cabriolet, ça, c'est très, très tapé dans Google. Les gens le cherchent en ce moment. Ajoutons ce raccourci dans le temps pour aller chercher ça. Mais on a un CMS, c'est nous qui avons fabriqué le site, il n'y a pas de CMS. Tu posais cette question-là, on n'y a pas vraiment répondu, mais… Quand tu as la main sur le code et quand tu as la data, c'est vrai que c'est plus simple d'aller chercher ces bons hacks. Julien, sur le maillage, des astuces, des tips, des trucs faciles à mettre en place au-delà de regarder ces aspects business et de couper le truc. Est-ce qu'il faut. Berlé a parlé de la page d'accueil, des mises en avant, etc. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut le faire par catégorie? Est-ce qu'il faut le faire par page? En fait, alors oui, je pense qu'il faut le faire comme par catégorie, comme je le disais tout à l'heure, ça va dépendre des rayons, on va dire, d'un site e-commerce. On n'aura pas forcément les mêmes besoins partout. J'aime bien présenter la chose à mes clients en parlant de règles par défaut, c'est-à-dire qu'on va définir des règles pour dire sur cette page-là, on va aller chercher d'abord si on peut faire un lien vers ce type de page-là, puis vers ce type de page-là, etc., etc. Mais surtout avoir la possibilité ensuite, selon nos besoins, selon nos envies, de surcharger ces règles, soit en les remplaçant par d'autres règles, ou même peut-être manuellement, temporairement, sur vraiment des pages très très importantes, très stratégiques pour un business, de dire sur ces pages-là, je vais mettre mes propres liens que j'ai choisis à la main.
Et de la même manière, d'ailleurs, dans mes règles de maillage, et ça va rejoindre mon deuxième point, je vais aussi réfléchir à quels sont justement mes 20% de produits peut-être qui sont très importants et que je vais avoir besoin de mettre plus en avant que les autres. Donc, pondérer peut-être un petit peu plus dans mon maillage interne pour faire en sorte qu'ils aient plus fréquemment des liens qui pointent vers eux. Et ce point-là, il est aussi lié justement au fait que souvent nos sites e-commerce, ils utilisent finalement plus ou moins le moteur de recherche interne pour générer les listes de produits. Et du coup, il faut penser à aller voir finalement comment ce moteur fonctionne et comment on peut pondérer nos résultats de manière justement à aller mettre en avant les produits phares, les produits qui vont faire le plus de ventes. Selon les tailles de sites, évidemment, c'est plus ou moins simple. Mais sur certains sites, c'est vraiment très très important. Ça peut aussi amener sur d'autres sujets qui vont être de l'autocomplétion ou ce genre de choses qui sont plus forcément du SEO. Mais je vous encourage, lorsqu'il y a des équipes dédiées à ce genre de sujet sur les sites sur lesquels vous bossez, à aller vous renseigner sur la manière dont fonctionne le moteur de recherche interne et comment on peut l'optimiser pour le SEO évidemment, mais aussi pour le reste des leviers et pour la conversion. Ça rejoint ce que disait Naguib sur comment on croise les données finalement. Exactement. Tu as besoin d'avoir la donnée de l'utilisateur. Tu as besoin de comprendre ce que lui il fait parce que toi, tu regardes grande masse dans des chiffres, dans des Google Analytics. Je pense que Naguib nous en parlera. Je veux bien en parler maintenant avec des exemples concrets, si tu veux bien, ouais. Alexandre. On n'a jamais eu la data. Bon, c'est le new oil. Ça fait un petit moment que c'est déjà le new oil. Bon, j'ai rejoint Artefact il y a maintenant un an et demi et c'était vraiment cette vision d'utilisation de la data et de la technologie qui m'a vraiment donné envie de rejoindre ce groupe-là. Et le fait de travailler en quotidien avec 30% de nos effectifs sont des data scientists, ça amène une approche un peu différente du SEO. Et il y a pas mal de personnes qui font du travail exceptionnel en France, notamment dans l'équipe d'Uncrawl et Vincent. Donc, il y a quelque chose que j'aime le plus, et tu parlais d'outils qu'on utilise, moi, c'est vraiment Uncrawl, et je vais donner pourquoi. Parce qu'on n'a jamais eu autant d'accès à de la data. C'est-à-dire que les SEO, ça va faire maintenant presque 10 ans que j'en fais. À l'époque où j'ai connu Erlé, on avait quoi? Très peu de data d'un point de vue Google Search Console. Le nombre de mois était limité, je sais pas, 6, 8, 10, voilà. Donc, c'était vraiment très limité. Aujourd'hui, on a droit à 18 mois de data avec un historique exceptionnel, avec une interface qui commence à devenir un peu sexy. Donc, c'est très intéressant. Je pense qu'il y a manière de l'exploiter. Trois choses que j'aime bien faire quand je croise les données à la fois de Google Search Console, à la fois de Google Analytics, parce que maintenant, Google Search Console, on a les données du ranking. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est lier la data de Google Search Console, Google Analytics, en utilisant Uncrawl. Donc, un élément que j'aime bien faire, c'est par exemple, regarder quelle est la position moyenne des pages qui génèrent du revenu, à la fois d'un point de vue desktop et à la fois d'un point de vue mobile. Moi, ça me donne une indication de voir, mes pages génèrent du revenu, mais peut-être que le positionnement moyen de ces pages-là sur les mots-clés pertinents est peut-être trop basse. Donc, malgré le fait qu'elles génèrent du revenu, j'ai peut-être une marge de progression si l'average position, elle est de 8. Alors, imaginez si je génère du revenu en position moyenne de 8, si j'amène cette position au niveau moyen de 3, par exemple, évidemment que mon revenu va exploser. Donc, ça, c'est possible que quand on croise les données, parce que d'un côté, il y a Google Analytics qui va donner le revenu, le trafic, et d'un côté, j'ai Google Search Console qui va me donner l'indexabilité et aussi la position moyenne. Donc ça, c'est un élément qui est intéressant. Un autre élément que j'aime bien aussi, c'est de savoir quelles sont les pages qui sont en première position, en moyenne en première position, et qui ne génèrent pas de revenus. C'est-à-dire que j'ai des pages qui sont rankées et qu'aujourd'hui ne génèrent pas de revenus. Donc ça, c'est vraiment comment lier aujourd'hui l'impact business à du SEO. Et ça, c'est un exemple vraiment très concret. Et le troisième élément que j'aime regarder, c'est sur les pages qui sont en moyenne position sur la page 1, donc de 1 à 1,9, entre guillemets, on va dire, quel est le CTR moyen. C'est-à-dire que peut-être que j'ai des pages qui sont bien rankées, mais qui n'ont pas forcément l'engagement qu'elles méritent. Évidemment, bon, il y a des outils intéressants comme Searchmetrics qui souvent donne des informations sur l'average CTR en fonction de l'industrie, en fonction du device, en fonction de la localisation. Donc voilà, je donne des exemples vraiment concrets de choses qui nous permettent, nous, de unleash the SEO business potential, si vous permettez vraiment de déployer la capacité potentielle génératrice de revenus d'un point de vue SEO. Donc, j'espère que c'était assez clair. Ouais, c'est clair, Naguib. Et est-ce que, de ton expérience en agence, du coup,
parce qu'on a un auditoire qui est un peu divers. On a des gens qui à la fois sont SEO, à la fois des gens qui sont directeurs marketing, à la fois des gens qui ont leur propre site e-commerce. Est-ce que pour toi, c'est une approche qu'on peut traiter? À partir de quand on peut utiliser cette approche-là? Est-ce que j'ai un site e-commerce avec 15 pages, est-ce que je peux faire ça? J'ai un site e-commerce avec 2000 pages, est-ce que je peux le faire? Et j'ai un site e-commerce avec 2 millions de pages, est-ce que je peux encore faire ça? Et quels seraient les conseils par où je commence finalement? Parce que bon, quand j'en ai 15, tu vas peut-être me dire oui, mais quand j'en ai 2 millions, comment vous faites, vous, pour prioriser finalement ce sujet-là et le traiter en volume? Alors, moi, je n'ai pas été encore mis au challenge de gérer un site de 2 millions de pages, d'un site e-commerce en tout cas. Les sites que je gère, c'est Virgin Megastore, par exemple, pour la région. Ils n'ont pas 2 millions de pages de linéaire. Par contre, moi, c'est vrai que la plupart des personnes à qui je m'adresse, ce sont en général des directeurs marketing. Et il faut aussi comprendre qu'ici, dans la région du Moyen-Orient, pour la plupart des sites pour lesquels j'ai travaillé, on était quasiment les premières agences à travailler d'un point de vue SEO. Donc, la maturité du SEO est encore à ses débuts. Voilà, donc évidemment, les discours qu'on tient ou l'évangélisation qu'on est en train de faire d'un point de vue local est vraiment très différente des sujets qui sont traités ou même qui étaient traités à l'époque où je bossais chez Orange en France. J'imagine que Herley et Julien ont plus d'expérience sur des sites à grande taille, mais ce que j'ai vraiment envie de mettre en avant, c'est le fait qu'on oublie que le SEO, c'est du marketing. Ça fait partie de la famille du SEM, qui est Search Engine Marketing. Donc, dans le SEO, de base, c'est aussi un métier marketing. Je sais qu'on parle beaucoup de techniques, qu'il y a beaucoup de débats sur Twitter. Est-ce que le Python, c'est un algorithme? Bon, voilà, ce genre de choses. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un point de vue business et marketing qui doit être pris en considération et prendre des décisions comme, par exemple, dire, je ne vais pas lancer tous mes produits parce que ce n'est pas que ces produits-là qui vont, ce n'est pas des produits très intéressants à vendre en ligne. C'est aussi une décision stratégique à prendre avant de se lancer dans la technique. Mais c'est évidemment mon point de vue marketeur sur la question. Donc, qui est important parce que c'est ta raison, le SEO n'est pas juste un truc comme ça standalone, c'est un truc qui doit vivre avec les autres expertises marketing. Et c'est un truc qu'on a tendance à oublier un petit peu, notamment je trouve dans l'activation, c'est-à-dire que on voit souvent le SEO et à tort hein, comme un truc, c'est soit de la technique, soit du contenu, soit c'est du netlinking, et c'est pas toujours mis en place dans la stratégie. On voit bien que là il y a des relations à la fois technique, donc tu utilises des outils techniques, mais aussi business, tu utilises des données d'audience, de chiffre d'affaires, etc., donc qui proviennent du CRM. Il y a vraiment des connexions qui vont dans tous les sens, et c'est vrai que je trouve que le SEO n'a pas encore sa place totalement au centre de la stratégie. Je ne sais pas si c'est le cas dans les boîtes où vous intervenez ou avec lesquelles vous travaillez. Le SEO n'est pas toujours très central dans les décisions qui sont prises, notamment liées au CRM ou liées au produit, même parce qu'il y a des informations qui peuvent être extraites des différents sites pour dire, regardez le comportement des utilisateurs quand ils vont, je reprends l'exemple d'Herley, voir telle ou telle voiture, finalement, ils vont ensuite sur tel modèle. Et est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on pourrait extraire de ça, qui ne sont pas que du SEO, mais qui sont aussi liées au marketing et qu'on pourrait réutiliser sur le terrain? Donc, c'est vrai qu'il faut bien remettre le truc dans le marketing, c'est assez intéressant. J'ai des questions sur, on a parlé tout à l'heure, tu as parlé très rapidement, Herley, du contenu, tu as parlé des méta, des titles, des descriptions, etc. Et une question qui revient assez souvent sur le e-commerce, sur la production des contenus, la gestion des contenus, c'est comment je gère mes fiches produits. Est-ce que je dois ou pas créer des guides avec une palanquée de contenus en mode un petit peu blog, article, etc. pour générer du trafic? Est-ce que ça convertit bien? Comment je fais pour gérer ma production de contenu finalement sur un site e-commerce, ce qui est un peu particulier par rapport à un site d'actualité, hein. Les sites d'actualité produisent du contenu, c'est leur métier. Sur les e-commerce, on a tendance à avoir une majorité de sites, alors je parle pas forcément des très gros sites, mais des petits sites qui pensent qu'une fois qu'ils ont mis tous leurs produits en ligne, c'est bon, le job est fait. Comment vous gérez l'approche de la production de contenu? Est-ce que vous avez des astuces pour automatiser? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut produire beaucoup de contenu sur ces fiches? Est-ce qu'il faut produire plutôt du contenu sur ces pages catégories? Est-ce qu'il faut produire des contenus dans les blogs? C'est quoi les recommandations? On va peut-être changer l'ordre, je ne sais pas Julien, si tu veux commencer sur ça, en termes de bonnes pratiques. Alors, ne nous dis pas que ça dépend de la taille du site. Je te vois déjà venir. En fait, j'aurais presque pu dire ça, effectivement. Je vais dire les choses un peu autrement. Je pense que plus on est une petite marque, en tout cas, moins on est connu, et plus on a un intérêt vraiment à insister sur justement des contenus qui ne sont pas forcément liés uniquement à nos produits ou à nos pages de catégorie, mais plutôt de type guide,
de type réassurance, etc., pour faire en sorte que bah, quand notre internaute il arrive sur notre site, il voit par exemple que bah, on sait de quoi on parle, on connaît bien notre métier, on est capable de bien lui conseiller les bons produits. Et ça, c'est un élément qui est très très important. Après, effectivement, pour généraliser un petit peu, j'ai tendance personnellement, sauf des cas assez particuliers où on est vraiment sur des produits très pérennes, à aller plutôt investir en contenu sur des pages plus pérennes, justement, type catégorie ou ce genre de choses-là, parce que bah, ça vaut pas forcément toujours le coup d'aller payer la rédaction d'une fiche produit qui va durer que quelques mois et qui va disparaître du catalogue ensuite. Par contre, ta page de catégorie, a priori, elle a des chances de rester un petit peu plus longtemps en ligne. Donc, je priorise les choses de cette manière-là. Et puis après, on ne va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit, sur le fait que bah, y a des pages plus stratégiques que d'autres parce qu'elles vont apporter plus de conversions, plus de revenus. Mais oui, en tout cas, si vous êtes une petite marque, si vous lancez votre site, par exemple, insistez beaucoup sur le contenu type guide, type blog, etc., pour montrer qu'on peut vous faire confiance. Naguib, en termes de, tu as dit que tu es sur un marché qui n'était pas forcément aussi avancé que ce que tu as pu faire avant. Comment vous faites les recommandations sur la partie contenu? Comment c'est produit? Comment vous mettez l'accent finalement sur les clients e-commerce? Alors, je rejoins complètement Julien, surtout sur sa dernière phrase, qu'on n'est pas là. Enfin, un e-commerce n'est pas simplement là pour vendre son produit. Il est là pour créer un lien de confiance. Et c'est ce que disait Nelson Mandela. Je vais essayer de le traduire pas de la meilleure des manières, mais il disait si vous parlez, si vous adressez à quelqu'un dans une langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête. Si vous lui parlez dans sa langue, vous parlez à son cœur. Donc quand il s'agit de langue, c'est pas simplement le langage spécifique, même si ici à Dubaï on vit avec plus de 100 nationalités différentes, ce qui est très important, la localisation aussi du contenu, mais c'est aussi créer ce lien de confiance parce que on a parlé de toute cette partie technique, les utilisateurs ne le voient pas, ils vont peut-être en souffrir parce que la page met 20 secondes à charger, mais ils ne le verront pas. Le premier lien entre une audience et le site internet et votre marque, c'est le contenu. Quelque chose de très important, c'est que le contenu est en train d'évoluer énormément, surtout d'un point de vue e-commerce. Le visual search est en train de prendre une place dominante et on a tendance à l'oublier. La manière dont les gens vont maintenant acheter un produit, c'est pas forcément en tapant le nom du produit, c'est peut-être en prenant une photo de ce produit-là, en le mettant sur Google Photos, en Amazon, voilà, le moteur de recherche visuel, et comme ça, ils ont l'information directement sur quel est ce produit. Et je suis sûr que ça arrive, vous avez peut-être, vous êtes baladé dans la rue et vous avez vu un sac à main ou une paire de chaussures qui vous intéressait, vous connaissez pas la marque, prenez en photo et derrière, vous pouvez avoir toute l'information pour acheter ce produit-là. Donc, c'est vraiment très important de déjà pas oublier que le contenu, c'est pas simplement du contenu texte, c'est aussi du contenu image. Quasiment 30% du trafic de Google va sur Google Images, très, très important, pas l'oublier. Il y a aussi toute cette dimension de multiculturel et d'utilisation des mots, notamment dans la localisation. Un dernier point que j'ai envie d'ajouter, c'est le fait que, évidemment, on a beaucoup parlé de Google. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on parle de e-commerce, aux États-Unis, 50% des personnes, lorsqu'ils cherchent des produits, ils vont sur Amazon. Et on a tendance à l'oublier. Donc, ce comportement aussi, quand on parle de e-commerce SEO, on ne parle pas forcément de SEO sur Google ou sur tous les moteurs de recherche traditionnels qu'on connaît. Et aujourd'hui, une région comme le Moyen-Orient, où Amazon s'est lancé il y a à peine un an, c'est une révolution. C'est une révolution. Donc, toujours penser aussi à l'optimisation des contenus sur les pages A+, sur Amazon et toutes ces nouvelles plateformes. Donc, tout est devenu plus diversifié et très important bah, d'être toujours up to date pour ces nouvelles évolutions des utilisateurs tout simplement. Juste un mot toi Naguib sur c'est hyper intéressant ce que tu as dit sur l'optimisation aussi dans les marketplaces. C'est quoi les recommandations en termes de production de contenu? Est-ce qu'il faut produire un contenu spécifique pour son site, produire un contenu spécifique pour une marketplace en particulier? Ce serait quoi la meilleure reco? Est-ce que je copie-colle le contenu de ma fiche produit sur Amazon, sur demain Google et tout le monde, et ses discounts, etc. Ou est-ce que j'essaie de faire quelque chose de très précis? Alors, je vais un peu vulgariser. Alors, j'ai la chance de travailler avec l'équipe de e-retail d'Artefact à Paris. Donc, j'ai beaucoup appris et j'ai eu la chance aussi d'aller à Brighton SEO quand on pouvait encore se rencontrer en face à face en septembre dernier pour faire une formation sur Amazon. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les marketplaces, et je vais parler d'Amazon en particulier parce que bon, il n'y a pas beaucoup de diversité ici dans la région, donc je vais parler que de ce que je connais, c'est du SEO d'il y a 10 ans. Donc, le keyword stuffing marche encore.
Voilà, on peut encore manipuler. Ce qui est encore magique, quand je dis c'est que le SEO d'il y a 10 ans, c'est que plus de 70% des personnes cliquent sur les résultats organiques et sur la première page. Donc ça reste encore un terrain encore inexploité, en tout cas dans la région, parce que ça fait à peine commencer. Donc les règles traditionnelles du SEO avec la description du produit qui intègre les mots-clés, etc., l'optimisation des images. Encore, j'insiste vraiment sur ces images-là, avec la taille, la qualité, qui sont aussi des critères de validation des produits pour qu'ils soient mis en ligne. Et le contenu, ce qu'on appelle le contenu A+, de Amazon, c'est vraiment faire du SEO d'il y a 10 ans. Et il ne faut pas oublier, c'est aujourd'hui aussi une des portes d'entrée. Hein. Google n'est pas la simple porte d'entrée du digital et du e-commerce. C'est aujourd'hui faire du SEO d'il y a 10 ans, sans les éléments spammy de backlink, voilà, tout simplement. On y reviendra, ça ce sera ma dernière question. Parler sur les aspects contenus. Ouais. En fait, il y a un truc aussi qu'il faut voir, et parce que là, on parle grosse masse, et je pense qu'il faut quand même un peu contextualiser. C'est quoi la requête de ton client? À quel moment de sa journée, son parcours dans sa recherche de produit, tu vas focus sur un produit et tu vas dire ok, je veux vendre ce produit là, c'est le meilleur, c'est le moins cher et le prix il est je sais pas, réduit de X%, etc. Et ça, c'est sur une requête de type transac. Si jamais tu dis, je reprends encore cet exemple de moi, quand on tape Audi A3 TFSI 2018. Qu'est-ce que Google il pense que la personne en face est en train de chercher? Est-ce qu'il veut acheter une voiture ou est-ce qu'il veut se renseigner sur la voiture? Mais en fait, la production de contenu, elle doit être surtout corrélée à sur quelle place, sur quel type de page je vais le positionner. On voit beaucoup et ça fonctionne en grande partie, pas tout le temps. Je place un placard de texte sur une page de type, comme disait Julien, une page pérenne de type résultat ou catégorie. C'est le plus grand contenu que j'ai pu cracher. Il m'a coûté une folie parce que j'ai dû faire 10 000 pages ou même 3 000 pages de catégorie. Et finalement, ce contenu-là, le ROI de ce contenu-là, il n'est pas si bon que ça parce que Google, il ne va pas avoir envie de mettre face à une requête informationnelle, navigationnelle, il ne va pas avoir envie de te mettre ta page transactionnelle où tu vas vendre du produit. Et donc, du coup, avant de produire du contenu, déjà, il faut très bien connaître ces différents types de pages, voire même celles qui manquent à ton site. On a vu les facs, les glossaires, les catalogues augmenter. Quels sont les types de pages qui manquent, et puis se poser la question de ok, ça c'est les pages que j'ai, elles répondent à quel type de requête. Et ben je vais produire un petit contenu, un moyen contenu qui est un petit peu qui aide un peu le SEO, mais il n'est pas là que pour ça. Il est là aussi pour montrer à ton utilisateur que tu sais que tu parles d'un produit que tu connais, que tu maîtrises, voire même tu peux très bien expliquer que dans ce petit bloc de contenu que tu as mis sur une page catégorie, tu fais référence à un contenu qui est beaucoup plus intéressant pour lui. Et finalement, si ton utilisateur tombe sur cette page transactionnel, il va vite partir sur la page d'information parce que c'était ça qu'il cherche. Et je pense qu'il faut aussi penser à avec toutes les datas que j'ai, avec toute ma connaissance métier, avec la connaissance de mon domaine, quels sont les contenus que je devrais placer face à des utilisateurs qui connaissent pas encore mon produit. Comment je peux les éduquer à choisir, je sais pas, le bon, je vais pas prendre l'exemple du thermomix, mais quel est le contenu à grande valeur ajoutée pour quelqu'un qui n'est pas encore en train de vouloir acheter, quelqu'un qui est plutôt en train de parcourir et de faire son choix. Et je pense que plus tu seras imprimé, entre guillemets, en tant que marque, dans je t'ai accompagné pas à pas dans ta démarche d'achat de produits, peut-être plus tu auras ton taux de conversion qui augmentera. Et moi, je vais prendre encore ce petit temps pour expliquer que très récemment, et c'était au début du confinement, on s'est rendu compte que le trafic ne valait pas la conversion. En fait, c'est pas parce que je fais des millions de sessions que mon site il est fabuleux et c'est le meilleur du monde. En fait, mon site il sert à la conversion de mon business. Et si tu oublies ça et que tu fais que du la suroptimisation de tes pages transactionnelles parce que tu veux faire du business, en fait tu passes à côté de ton business. Fais aussi pas de l'optimisation SEO, fais aussi du contenu pour faire du trafic qualifié et du trafic recurring, des gens qui ont compris que ta marque leur apportait un vrai plus dans le panel des marques qui existent. Et je pense que cette production de contenu, elle est importante. Après, les petits tips, il y en a beaucoup, et je pense que ça pourrait être une table ronde dédiée, mais j'en donnerai un. C'est regarde déjà ce que les gens ont tapé dans Google quand tu commences à augmenter le nombre de mots. Regarde ce que les gens cherchent
ou rajoute des quoi, des comment, des quels avec des étoiles sur ta requête. Comment étoile Audi A3? Eh ben ça, c'est une, un contenu que tu as envie de réécrire. Quel est le meilleur étoile pour les jeunes adultes? Et tu vas commencer à te faire des, une idée de ce que les gens tapent et cherchent. Et finalement, c'est comme ça que tu vas créer du contenu à grande valeur ajoutée. Avec en plus un focus long tail qui, on le sait, convertit encore davantage. Donc, ça rejoint un peu ce que tu as dit, Naguib, sur le funnel au départ. C'est dans l'acte d'achat, il y a plein d'étapes dans le funnel. Finalement, répondre à chaque étape du funnel avec des contenus spécifiques sur des pages spécifiques, bah, c'est hyper important et ça permet d'amener l'utilisateur de la découverte du produit en passant par la comparaison à la conversion du produit. Donc, effectivement, il faut travailler le contenu en large. Je rebondis sur ça et pour amener, entre guillemets, un peu le dernier sujet, parce qu'il va nous rester 10 petites minutes, c'est déjà beaucoup trop rapide. Notamment dans les stratégies, ce que je vais appeler outbound, mais on ne va pas se mentir, c'est du netlinking. Justement, il y a une question aussi qui revient beaucoup sur le SEO et le e-commerce, c'est j'ai beaucoup de pages, j'ai des pages avec des vocations qui sont différentes, il y a des, voilà, on vient de le dire dans le funnel. Comment je fais en e-commerce pour choisir l'endroit vers lequel je vais faire pointer du lien, entre guillemets, vulgairement, hein, encore une fois, mais comment je fais pour choisir? Parce que j'ai un blog, j'ai des pages catégories, j'ai des pages produits. À quel moment, et on vient de le voir et tu viens de le dire, Hervé, toi, finalement, la valeur, elle se répartit sur l'intégralité du funnel. Donc, comment je fais et comment vous faites et quels sont les conseils que vous pouvez donner quand on veut démarrer une stratégie de netlinking, finalement, sur un site e-commerce? On commence, quels sont les points de vigilance, mais surtout, à quel moment, voilà, comment je détermine le volume, comment je détermine vers quelle page je fais pointer les liens? Parce que ça, c'est une question qu'on a souvent et qui est assez récurrente. Naguib, si tu veux commencer. Je veux bien commencer. Alors, c'est toujours la même question souvent qui revient, c'est combien de liens il nous faut, combien de liens j'ai besoin. Et j'aime bien citer cette citation qui dit que quand je m'analyse, je m'inquiète, mais quand je me compare, je me rassure. L'approche que je prends en général quand je démarre avec un client, je regarde déjà quels sont, à travers tous les niveaux, que ce soit technique, que ce soit contenu et les liens, voir quel est le niveau de compétitivité, on va dire, entre le site dont je m'occupe et ceux des concurrents. C'est déjà la première chose qu'on doit faire. Créer du lien juste pour créer du lien, ça n'a aucun intérêt. C'est pas un KPI, c'est pas un objectif en soi. L'objectif, il est sur le trafic et sur l'argent. Donc, déjà, faire cette analyse. S'il s'avère que le client dont je m'occupe a justement un lac et un niveau de liens entrants bien moindre que celui de ses concurrents, c'est là où je commence à analyser quelles sont les optimisations et les opportunités qui peuvent exister. Quels outils tu utilises, toi, Naguib, pour faire ça? Ou tu recommandes? Honnêtement, bon, je suis pas ambassadeur de ces autres outils, mais on va dire. Ça donne des idées aux gens. On va dire Majestic SEO, c'est vrai que j'aime bien le TrustFlow. Et qui me permet vraiment de mapper à la fois la quantité et aussi la qualité, donc le volume, mais aussi la qualité de ces liens. Donc, la première chose que je regarde, c'est regarder déjà les concurrents. Où est-ce qu'ils viennent leurs liens? D'où viennent leurs liens? Comment ils ont réussi à avoir des liens qui sont de bien meilleure qualité? Comme ça, ça me permet déjà de, on va dire ça, c'est le ground, ça me permet déjà d'avoir un gap un peu moindre entre leurs liens et les miens. Évidemment, tout ce qui est broken backlinks, donc des liens qui seraient cassés dans le passé, ce genre de choses. Mais ça, c'est vraiment de l'hygiène. À la fin, pour aller au-dessus, parce que ça, c'est vraiment pour, entre guillemets, diminuer la qualité de leurs liens. Parce que si j'arrive à avoir des liens que eux ont, du coup, la qualité de leurs liens est aussi amoindrie. Donc, c'est aussi une stratégie pour essayer de me rapprocher d'eux. Ça suffira pas pour les dépasser. Pour les dépasser, il faut vraiment faire quelque chose qui fait de ton site une référence. Et ça passe par vraiment le contenu et comprendre ce que votre audience veut. Je vais donner un exemple concret que j'aime beaucoup citer lorsque je donne des formations, des conférences. C'est pas moi qui l'ai fait, mais je trouve que c'est un exemple tellement extraordinaire qu'il mérite d'être cité. C'est l'exemple de IKEA, qui n'est pas en soi, c'est peut-être un des produits les plus difficiles à vendre. C'est très standardisé, tout le monde va à IKEA, donc plus ou moins, c'est très difficile de faire d'IKEA, entre guillemets, une référence en ligne. Ils sont venus il y a 5-6 ans avec une campagne de backlinks où ils ont utilisé les recherches des mots-clés des utilisateurs. Donc, ils ont créé un site internet qui est exactement le miroir du site d'IKEA et ils ont renommé tous leurs produits en fonction des mots que les gens tapaient sur les moteurs de Google. Ça, c'est du génie.
Enfin, je veux dire. Et honnêtement, ils ont utilisé les mêmes outils qu'on utilise d'un point de vue SEO. En général, on n'est pas très, très créatif. Je dis pas ça à tout le monde. C'est vrai que les SEO, on a vraiment un background plutôt plus ou moins technique en général. Mais le fait d'ouvrir son horizon d'un point de vue content marketing, PR, ça nous ouvre d'autres horizons. Donc, ils ont créé un site exactement miroir du site d'IKEA, renommé toutes les fiches produits et ils ont eu une couverture médiatique comme très peu de campagnes digital PR ont eu, que ce soit la BBC, que ce soit CNN, Google eux-mêmes en ont fait une étude de cas. Donc, je vous invite à le visiter. Ça s'appelle la Retail Therapy. Donc, voilà. C'est intéressant que tu repointes le fait que la stratégie de networking, c'est pas plus un truc SEO, c'est aussi un truc relations presse et marketing qui permet derrière de générer du lien vers tes pages et vers tes produits. Donc, ça remet le truc au centre. Julien et Herlé, il nous reste, allez, on va se prendre 2-3 minutes de rap, on va gratter pour avoir votre avis sur comment on focus sur la partie netlinking. Qu'est-ce que vous recommandez, Julien? Ouais, alors je vais essayer de compléter un peu ce qu'a dit Naguib. Déjà, en parlant d'hygiène, un petit tips au passage, pensez à aller regarder un petit peu les vieux sous-domaines qui peuvent traîner sur les sites sur lesquels vous bossez. Ça arrive souvent qu'on fasse par exemple une opération spéciale avec tel ou tel partenaire, on met ça sur un sous-domaine parce que techniquement c'est plus facile, et puis en fait on laisse ça traîner pendant des années et des années, sauf que ça peut être des sources parfois de popularité externe qu'on oublie un peu et qui peuvent être intéressantes à réutiliser. Ensuite, pour aller chercher des idées d'une part de sources de liens et puis de l'endroit vers lequel il faut faire pointer ces liens-là sur mon site, il y a quelques sources de données un peu tierces, on va dire, qu'on peut réfléchir à utiliser. Moi, j'aime bien bosser lorsque c'est possible, selon les clients avec lesquels je travaille, avec les gens qui sont en charge de l'affiliation, par exemple, parce que alors ça reste un grand classique, mais souvent on va découvrir comme ça des partenaires potentiels auxquels on n'aurait pas forcément pensé, et surtout une approche pour mettre en avant les produits qu'on peut proposer, qui est souvent assez différente de celle que nous on peut avoir en interne. Du coup, ça peut donner des bonnes pistes également. Et je pense que je vais m'arrêter là si je veux laisser le temps à Hervé de finir d'intervenir. Merci Julien. C'est gentil Julien. Ouais, encore une fois, pour compléter ce que disent mes deux comparses et qui ont déjà bien couvert le sujet, je pense qu'il y a un point essentiel. Alors, pour dire où est-ce que tu dois faire pointer un lien, déjà, ton lien, tu ne peux pas toujours choisir. Et même, c'est très compliqué de choisir. Je dirais pas que ça peut même coûter cher de choisir, mais c'est très compliqué de choisir. En fait, je pense que faire de ton image de marque une expérience, faire parler de ta société, faire parler de ton patron dans un grand média qui va raconter son histoire à lui finalement, on dit souvent faire des analyses de ton marché et être producteur de données que tu vas en fait ouvrir à la communauté, c'est peut-être un des meilleurs canaux d'acquisition que d'aller essayer de chercher, grappiller le même lien que tes concurrents. Je te rejoins complètement, Naguib, sur le fait qu'il les faut, et c'est pas moi qui l'ai dit, je l'ai appris il y a 10 ans dans une des grandes formations SEO en France, SEO High Level. À l'époque, on nous disait déjà aller chercher les mêmes liens que tes compétiteurs. Et moi, pour le coup, j'utiliserais SEO Observer pour le faire parce que du coup, il y a la donnée de Majestic, mais il y a aussi la donnée de SEMrush qui est aussi ultra intéressante. Mais je pense que il y a deux aspects. Alors, il y a le netlinking. J'ai envie d'avoir des backlinks et du coup, je sais qu'il y a des éditeurs qui peuvent faire des backlinks et je vais discuter avec eux ou avec des tierces pour réussir à en avoir. Mais faut manier l'art de la négociation un petit peu et aussi apporter de la valeur ajoutée parce que il y a beaucoup de grands éditeurs qui n'ont pas envie de parler de ta boîte parce que ta boîte les intéresse pas tant que ça et c'est pas parce que tu leur produis un article qu'ils vont te mettre un lien dedans. Les relations presse, c'est compliqué et c'est pas tant notre métier que ça. Je crois qu'il y a les équipes de com sont dédiées à ça et je pense que faire de ton expérience utilisateur une expérience folle, géniale et en faire parler et faire en sorte que tes clients deviennent tes relayeurs. C'est un backlink qui n'est pas un vrai backlink SEO, mais c'est un backlink de bouche à oreille et des gens. C'est aussi un super moyen de faire de plus en plus venir des gens chez toi.
Et je pense que ouais, vraiment, ton image de marque, ta manière dont tu abordes ton marché, la manière dont tu fais les choses ou la manière dont tu te différencies, c'est un bon moyen d'attirer les yeux sur toi et peut-être des gens qui auront envie de raconter une histoire autour de toi. Mais ce n'est pas évident et choisir une page, tu ne peux pas. Prends ta page d'accueil parce que tous les backlinks qui vont arriver dessus, à un moment, tu vas pouvoir, comme on disait tout à l'heure, utiliser la puissance qui arrive et pour pouvoir la redistribuer aux bons endroits, finalement, c'est peut-être aussi un bon point, ou prends une page pérenne, ou alors si tu as la capacité d'écrire des super articles sur ton marché ou d'analyser de la donnée, va chercher un backlink chez data.gouv.fr, publie de la data que tu as en interne, publie et tu auras un fucking backlink. Voilà, c'est pas évident, aller chercher du lien, c'est compliqué, c'est pas vraiment un métier, mais fais de ton expérience client quelque chose de faux et ça sera peut-être ton meilleur backlink après. C'était une question piège, en fait, pour savoir si vous achetiez des backlinks et que vous choisissiez les pages. Je crois que tout le monde doit malheureusement passer par l'entretien de son backlinking au travers de peut-être des coûts qui peuvent être financiers ou autres. Allez, on ne le dira pas. Merci, bon, merci, on va devoir conclure. Merci à tous, merci Arlé, Julien, Naguib de votre présence. C'est super rapide, je suis un peu frustré, j'aurais bien aimé qu'on continue, mais je pense qu'on aurait pu continuer 3 heures comme ça. Pour tous ceux qui auraient raté le début ou autre, il va y avoir des replays qui seront disponibles 48 heures après la conférence, donc vous pourrez revoir cette table ronde. Voilà, je vous remercie encore Julien, Arlé, Naguib. Vous êtes accessible, j'imagine, sur les différents réseaux sociaux, Twitter, sur la plateforme aussi, les gens vont pouvoir vous poser des questions, donc n'hésitez pas à aller demander à nos interlocuteurs du jour des conseils, des tips, à les suivre sur Twitter, parce que je les suis moi-même et il y a plein de choses qui passent qui sont très, très intéressantes. Merci beaucoup, j'ai été ravi d'être avec vous. Pareillement, merci beaucoup. Merci.